d'une manière générale, la commune se porte bien, relativement bien, parce que nous avons tenu notre conseil à mi-parcours. Et au terme de ce conseil, on s'est rendu compte que, en termes de performance par rapport à l'année dernière, surtout au regard du budget que nous avons voté, comparativement, la commune se porte mieux, de mieux en mieux. Alors, nous avons deux types d'interventions sur le terrain. Nous avons nos services qui font un travail pour le travail d'assainissement. Il y a aussi la société Isacamp qui fait... qui essaye de faire le même travail, mais dans des secteurs différents. C'est-à-dire, nous avons la collecte et la pré-collecte. Et la pré-collecte est assurée essentiellement, je dis bien essentiellement par nous, parce qu'il y a une société qui essaie de nous aider dans ce sens, mais nous avons une équipe permanente du service d'hygiène, qui travaille tous les jours, je dis bien tous les jours parce que les samedis et les dimanches, on les surprend dans certaines parties de la commune qui n'ont pas pu être couvertes en semaine. Donc c'est pour ça que... Alors maintenant, ça c'est l'assainissement. À côté de l'assainissement, vous avez d'autres travaux qui concernent la propriété, vous avez et l'environnement, tenir compte de l'environnement. Vous avez notre défi, c'est d'essayer de rendre la commune plus verte, parce que vous savez, quand nous sommes sous le coup de des effets pervers de l'urbanisation. Vous savez que la nouvelle ville est de notre côté, ce qui fait donc qu'il y a une forte déforestation. Et puis, il y a des arbres qui permettaient de lutter contre les inondations, comme la mangrove, qui sont attaqués. De ce côté-là, nous essayons, on a essayé de planter pour l'année qui vient de s'achever 1000 arbres, avec l'aide du ministère des Forêts. Nous avons procédé à la forestation d'une bonne partie de notre circonscription. Alors, il y a aussi, en matière toujours d'environnement, ce qu'on a essayé de mettre en place, une économie verte. Une économie verte, c'est-à-dire que on essaye de mettre en place des dispositifs qui nous permettent de récupérer ce qui est déjà utilisé. Donc on s'est attaqué d'abord au plastique. Il fallait montrer, vous savez, on est dans une zone qui reçoit les eaux émanant des autres communes, comme la commune de Sœur de Douala 2. Donc, nous avons donc toutes ces eaux qui viennent de là. Ces eaux sont jonchées de plastique, des déchets plastiques. Nous avons donc voulu faire comprendre à nos citoyens que le déchet, aujourd'hui, doit être considéré comme un bien économique. Savoir que le déchet doit être transformé. Nous avons donc, tout le monde sait que les déchets peuvent être transformés en compost, mais ce que les gens ne savaient pas avant, ce qu'on ne faisait pas avant, c'est que le plastique
qu'on a à la maison, ou bien la bouteille qu'on a à la maison. La bouteille peut être achetée par la société Socavé. Donc maintenant, le plastique peut servir à utiliser d'autres formes, à produire d'autres matières, d'autres produits à partir du plastique. Donc nous avons des produits de consommation, les matériaux de consommation. Vous avez même les matériaux, hein, les produits finis en plastique qui sont issus, qui sont produits à partir de matières premières plastiques. Donc, il fallait amener les populations à commencer à ramasser le plastique qui traîne partout, à le conditionner et à le vendre. Nous avons donc, avec une ONG, construit un centre de traitement de plastique, de déchets plastiques, et recruter 11 associations qui travaillent dans ce sens. C'est-à-dire qu'ils apportent les matières premières, vont ramasser le plastique partout et viennent commencer à le transformer à ce niveau. Ce plastique donc est laissé à la disposition de cette ONG qui l'exporte ou bien qui peut le donner aux industries locales. Alors on a signé donc des conventions avec une série d'entreprises locales qui, c'est des associations locales qui Reste Place, Rénamé, ainsi de suite, qui utilisent donc ce plastique-là, qui essayent de produire, faire la transformation de ce plastique, qui achètent donc auprès de ceux qui ramassent le plastique. Aujourd'hui, la tonne de plastique est vendue entre 70 000 et 120 000 francs. 120 000 francs, c'est les bouchons, parce que le bouchon est très recherché. Et ce qui part, les autres produits, partent donc à partir de 70 000 francs. Nous avons fait, on a mis des associations parce qu'on s'est rendu compte à un moment donné que c'était les gens du troisième âge qui ramassaient ces ordures. Les jeunes n'étaient pas intéressés. Bon, pour que cette technologie puisse se vulgariser et que les gens soient intéressés, on a essayé donc d'impliquer les associations pour cela. Et Isaac Amé rentre donc en crise. Vous savez vous-même la crise de la société Isaac Amé. On ne pouvait pas continuer à ne travailler qu'avec les services d'hygiène. Le service d'hygiène, on a donc mis à l'intérieur, sans en être une régie, le service qui gère les engins. Alors, vous avez donc aujourd'hui nos engins de génie civil qui sont utilisés donc pour ramasser, pour aider Isaac à faire le ramassage, notamment en ce qui concerne les déchets sauvages, ou alors ce qu'on trouve dans les quartiers, c'est-à-dire que dans la précollecte, on a les déchets qui sont totalement abandonnés et qui rendent vraiment le insalubre nos quartiers. Donc c'est pour ça que nous avons pu mettre donc des engins pour ramasser, et quelquefois même ramasser avec Isaac Amé. C'est-à-dire qu'on ramasse, Isaac Amé nous envoie des véhicules pour que la rotation soit élevée, ou alors nous-mêmes on le fait, on travaille. Le génie civil est de lundi à mercredi, et ces engins donc sont orientés à une autre utilisation à partir de jeudi, vendredi, samedi, à ramasser les déchets sauvages qui sont dans les quartiers pour les amener à la décharge d'Isaac Amé. Voilà ce qui est fait. Et on essaie donc maintenant aussi d'impliquer nos communautés, parce que le problème n'est pas de ramasser les ordures. Ailleurs où c'est propre, les ordures restent dans les maisons. Il faut donc commencer à changer les mentalités des gens. Nous avons donc pris avec un quartier ici, un quartier, je ne fais pas la publicité de ce quartier, on a signé une convention avec ce quartier pour que ce quartier commence à mettre en place, mettre en place un système d'auto-enlèvement des ordures. Donc là-bas, dans ce quartier, il y a un privé qui passe une fois ou deux fois par semaine
ramasser les ordures pour aller le mettre, aller verser au dépôt là où il y a le parc Isaacam le plus proche. Nous, en retour, on crée dans ces communs contrats un contrat de performance. Pendant qu'ils font ceci, nous aussi, on fait autre chose. Nous, on aide dans ce quartier à mettre en place des infrastructures pour les enfants, en désherbant les rues avec nos trucs, en mettant en place leurs équipements sociaux pour qu'on puisse avoir un système qui soit gagnant-gagnant. Alors, pour les déchets, il s'est avéré que, après avoir étudié, analysé notre décharge du Niama, les Turcs nous ont proposé, nous ont dit qu'aujourd'hui, dans le monde, les choses ont évolué. Les déchets, les ordures, c'est un élément, c'est une matière première qui produit de l'électricité. Nous avons donc estimé que le problème est très important. On ne saurait le garder à notre niveau. On a saisi les CVUC. Les CVUC, c'est l'association des maires. Et nous avons anticipé, comme ils avaient un temps court, on a amené ces Turcs rencontrer le maire de la ville parce qu'on s'est retrouvé buté à un problème sur la paternité. De la nature juridique de la décharge de Niara. Cette décharge est située à Douala 3e, mais elle n'appartient pas à la commune de Douala 3e. Elle appartient à la communauté maghrébine. Donc nous avons dit qu'on ne pourra pas traiter ce travail parce que d'après les Turcs, on exploiterait cette décharge-là en créant un centre de production d'énergie thermique. C'est-à-dire qu'à partir de... on va vendre de l'électricité à l'INEO à partir de ces déchets. Et on va produire du méthane. On va produire du gaz qui va être vendu à la zone industrielle. Donc les Turcs ont avancé dans leurs études. Et je les ai amenés à Yaoundé. Personnellement, nous avons rencontré le maire de la ville de Yaoundé. On a une séance de travail avec le maire de la ville de Yaoundé qui a mis à disposition ses collaborateurs, qui étaient aussi très enchantés par le projet. Et il est sur le point aujourd'hui de signer un MOU pour le faire parce que pour eux, le modèle a évolué compte tenu de nos besoins. Est-ce que l'énergie telle qu'ils ont fait dans leur modèle, la société va produire, va ramasser les ordures énergétiques. Et sur la base donc, de ces ordures, on va installer une usine de traitement de ces ordures qui va produire de l'énergie thermique et qui va aussi produire du gaz domestique qui va être vendu aux populations et les revenus issus de cette exploitation-là vont diminuer le coût de transport des déchets. C'est-à-dire qu'ils disent aujourd'hui, avec ce modèle, ils vont amortir à près de 50% ce qu'on paierait à l'Isaacam. En fait, c'est eux qui vont courir vers les déchets. Ayant donc ces déchets, pour eux, parce que les déchets étant une matière première, vont mettre ça dans leur unité de production. Et donc, actuellement, les tuyaux sont prêts. Nous avons donc estimé que le problème des ordures, c'est un problème tellement important qu'il faille plutôt reposer à un niveau national. Et le dossier a été confié au CBG pour que Douala et Yaoundé commencent et que le reste du pays suive un peu. J'avais vu personnellement cette expérience, je l'ai vécue
en Belgique. J'ai vu comment elles sont amenées dans une unité qui permet aujourd'hui de produire pour 8000 ménages en Belgique. 8000 ménages, c'est-à-dire qu'on ramasse les ordures dans une contrée, on produit de l'électricité et cette électricité est vendue. D'après leur modèle, ils estiment que l'électricité au Cameroun, le prix de vente de l'électricité au Cameroun, cette unité produirait un peu moins cher pour pouvoir vendre ça à Eneo et avoir donc une plus-value qui va permettre d'amortir les charges d'exploitation. Donc, ils nous ont demandé, dans leur modèle, 6 mois. 6 mois. En 6 mois, ils vont tout stabiliser. Donc, il faut d'abord que nous signions les MOU qu'il faut. Et le dossier est en cours d'étude à la communauté urbaine de Yaoundé et de Douala. Peut-être certainement que je présume que c'est comment ce contrat va être adressé. C'est la procédure. Est-ce que ça va être un PPP ou ça va être un marché? Donc je crois que c'est peut-être ça qui est en cours. Comme j'ai dit au début, la loi dit que permet que la collecte soit assurée par la communauté urbaine. La collecte, c'est-à-dire que ramasser dans un périmètre qui est défini, urbain, et la pré-collecte, c'est aller dans des endroits peu urbanisés. Nous qui sommes dans une commune qui a un caractère semi-rural, on doit aller dans le fin fond des quartiers comme Bandakungo ou bien Boko. On prendrait on ramasserait des ordures là-bas pour les ramener vers les centres, soit directement à la décharge, soit vers les centres de ramassage des sacs. Mais je parle directement à la décharge, on verra ce qui va arranger tout le monde. Alors, demander aujourd'hui que le financement soit, qu'il y ait un partage du financement, je pense que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que le financement central pèse. Nous devons être responsables de nos actes. Au niveau de la comptabilité, les communes, je prends un cas de communes d'arrondissement, les 5 communes qui sont dans la zone continentale, vous allez vous rendre compte que lorsqu'on va mettre cela, chaque commune va faire des efforts pour que ce qui lui revient, c'est-à-dire dans son cahier de charges, soit fait convenablement. Ça ne va pas être comme c'est là aujourd'hui, où il y a un seul tout, tout ce que nous avons comme difficultés d'exécution, nous nous cachons derrière les financements qui ne viennent pas, derrière les retards de paiement, derrière l'insuffisance de montants qui ont été alloués, derrière le monopole d'une société, ainsi de suite. Il n'y aura plus de monopole puisqu'on va être chacun responsable de ce que nous avons choisi, une entreprise ou une autre. Nous allons nous mettre au travail et on sait qu'on va être jugé convenablement. Vous avez vu ici l'autre jour, on était obligé d'aller fermer la route, travailler parce qu'il y avait des grands trous et les gens, la population ne connaissent pas la différence entre une commune d'arrondissement et une communauté urbaine en matière d'attribution sur la route. C'est la même chose aujourd'hui. On vous dit que les populations n'ont pas, il n'y a pas eu de ramassage, on ne ramasse pas des ordures dans telle ou telle partie de la ville. Nous, on est obligé de ramasser parce que ce que nous avons fait le week-end dernier, aller à Mandjap et ici à Ndouvema, ramasser les ordures. Mais c'est des endroits qui étaient jadis couverts par les ACAM. On est allé quand même, aujourd'hui on fait du n'importe quoi, on est partout. Dans le concours, pour le concours de la ville,
nous sommes mis à la ville moderne, Victor. Oui, on s'est mis à désherber une voie nationale. Qu'est-ce qu'une commune a allé dans une commune d'arrondissement sur la voirie qui est. Elle n'est même pas une voirie communautaire. Mais tout simplement parce qu'on se disait que c'est la porte d'entrée de notre commune. Si elle n'est pas propre, comment est-ce que nous-mêmes, si nous-mêmes on n'arrive pas rien qu'à tenir une tondeuse pour mettre la propreté, donc c'est ce flou-là qui va disparaître. Et c'est pour ça que nous pensons que la mise en œuvre des textes d'application de ce décret doit être claire là-dessus. Comment ça va se passer, l'utilisation de ces fonds? Est-ce que ça, nous allons rester au niveau de sa force? Je pense que ça va être ça, puisque je vois que la communauté urbaine a 17,5%. Donc nous allons nous contenter de mettre en place un système de pré-collecte qui répond à nos. Qui est conforme, qui est compatible au montant que nous pouvons mobiliser. À 500, mais je crois qu'aujourd'hui on est déjà à 600 ou à 700 jeunes qui ont été recrutés et qui sont dans trois ateliers. Bon, je vous parle de l'atelier hygiène. L'atelier hygiène s'occupe, prend des jeunes, on leur donne des équipements, tout ce qu'il faut pour cela, c'est-à-dire des gants, des manteaux et ils vont et des sacs poubelles. Ils vont ramasser les plastiques. Ils ramassent les plastiques. Et ils vont les entasser dans un filet quelque part. Ce jeune qui a fait ce boulot, et on lui a dit, il a posé certainement la question, on lui dit, pourquoi est-ce qu'il fait ce travail? Quand il va rentrer au quartier, il va commencer à s'amuser, à ramasser aussi, à poser, parce qu'on lui a dit que la mairie ramasse, la mairie s'occupe de comment d'acheter. Va prendre vous et je pense que comme je vais agrandir les choses. Nous voulons que ce soit que le fer, que le déchet plastique soit comme le déchet de fer aujourd'hui. Dès que vous laissez le fer, vous abandonnez le fer quelque part, vous allez vous rendre compte qu'il va disparaître la nuit parce qu'ils vont le vendre dans les métallurgies ici. Ici à Douala, c'est comme ça. À l'intérieur du pays, ça va traîner. Mais à Douala, avec les métallurgies que vous connaissez, là, ici à la zone industrielle, le fer ne traîne pas dans les quartiers. On le. Malheureusement, on est arrivé mal au volet pour aller le vendre dans les métallurgies. Donc, nous voulons que l'appétit qu'on a pour le fer soit contaminé, soit aussi. Transposé au niveau du plastique. Et ça va permettre à ces jeunes de montrer aux parents et aux voisins que désormais les déchets plastiques sont très, très prisés et que l'on ne peut pas être abandonné comme ça dans les rues et dans les rigoles. C'est que le monde est plus limité. Il faut que l'on éduque, qu'on continue à éduquer nos populations.
génération. On éduque nos populations parce que nous nous sommes rendus compte que beaucoup d'erreurs, beaucoup de dysfonctionnements, beaucoup de manquements que nous avons observés en matière d'environnement émanent aussi de la méconnaissance, de la sous-information de certains de nos amis. Donc, on pourra s'atteler aujourd'hui à former, sensibiliser les populations, mais il faut aussi que le message, le relais au niveau de leur sensibilisation soit, tienne compte de ce que les ordures ne sauraient être totalement pris en charge par une structure. Parce que l'accroissement, il est démontré que l'accroissement des taux des déchets, des ordures ménagères est fonction de l'accroissement de la population et le taux de croissance même de l'économie. C'est-à-dire que si vous avez un taux de croissance de X% conjugué à une augmentation de la population, vous avez un taux de croissance largement supérieur à 1. Donc, ce qui peut faire que vous avez. Il faut faire très attention. Donc, c'est pour cela que nous devons avoir de bonnes habitudes. De bonnes habitudes pour conserver, savoir que les déchets se conservent à la maison. On ne laisse pas les déchets traîner en route. Là, dans ce quartier où nous sommes en train de implémenter le système, vous ne trouverez pas les déchets en bordure de maison. Les déchets sont à l'intérieur des maisons. On les garde dans les maisons. On ne les sort que lorsque la société, le ramasseur est là. Et puis nous devons apprendre nous-mêmes aussi à supporter le coût de ramassage de ces déchets. C'est difficile à appréhender, mais dans les pays où les pays jugés aujourd'hui salubres, propres, Rwanda, c'est la population elle-même qui supporte le prix de ramassage de ces ordures. Donc, ce n'est pas l'État central qui paye. L'État central met en place des dispositions pour que il y ait un ramassage décent, il y ait une décharge, puis il y ait ceci. On peut gérer la décharge. Mais le transport de l'habitation à la décharge, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est une révolution, mais parce que nous avons été habitués longtemps à cette facilité, mais ça va être quelque chose qui devrait être implémenté à long terme, parce que les ressources financières sont limitées. Merci, monsieur le préfet d'Afrique. Merci.